Cette soirée, effectivement, c'est la grosse conférence de presse du festival Rencontres et Racines. Bien qu'on ait dévoilé toute la programmation il y a quelques temps afin de favoriser un petit peu la prévente, mais aujourd'hui, c'était l'occasion de faire rencontrer les associations et aussi les bénévoles qui sont très nombreux, puisqu'on a à peu près 200 bénévoles sur le week-end pour nous prêter la main dans le cadre de l'organisation des festivals, et également les 86 associations présentes pendant tout le week-end. Mais aussi de nombreux personnes qui nous aident financièrement, donc les amis du festival, les partenaires bien entendu et les élus. Alors la programmation du festival Rencontres et Racines, bon, elle est très très éclectique bien entendu, puisque c'est aussi l'objet du festival Rencontres et Racines, de faire rencontrer des publics très différents. Donc, la programmation se fait pour attirer des publics très différents. Donc on a du ska, du reggae, de la chanson, on a du blues, on a des choses, du hip-hop également. Donc c'est très très éclectique en termes de programmation. Alors c'était le choix effectivement de faire un groupe local. On accueille d'ailleurs sur la scène C des groupes locaux du pays de Montbéliard. On a toujours essayé de mettre en évidence des groupes de la région, même si on a une programmation effectivement sur les grandes scènes avec des grands noms de la chanson, mais aussi sur la conférence de presse, on avait décidé que ce soit un moment festif. Et on a donc choisi le groupe Good Job qui aussi répète dans les box ici, tout proche de ce lieu. Donc c'était quelque chose qui nous correspondait musicalement également. Bénévole au festival de Rencontres et Racines et comptage à l'île aux oiseaux. Durant le festival, ça fait déjà depuis quelques années que je le fais, c'est un festival chaleureux, tu rencontres des cultures, tu partages des racines, c'est magnifique quoi, je veux dire c'est beau. Et le festival de Rencontres et Racines, c'est un festival où il faut voir parce qu'il y a la tolérance, le respect, les règles de vie, les quotidiens de vie, les gens comment ils vivent, les traditions. Et c'est les gens, ils apportent, pendant tout le long du festival, ils vont nous apporter leur savoir-faire au niveau des gâteaux du Maghreb, de l'Algérie, du Maroc, tout ça. Par exemple, il y a des pays comme le Congo, comme l'Algérie, comme tous les pays comme ça, où ils ont leur savoir-faire. Et moi, autant que bénévole, ça me fait plaisir parce que ça prouve que c'est un festival qui est chaleureux. Depuis l'année dernière, justement, on nous donne une scène en fait sur laquelle il faut l'équiper en termes de son. Donc là, c'est directement Stickpin qui, avec son matériel, fait l'installation. Et les bénévoles sont là pour accueillir les artistes, les différents artistes, préparer les conférences qui va y avoir, installer les sièges, etc. Enfin, pendant tout le week-end, ils sont en pleine activité, quoi.
et il gère une scène de A à Z. C'est Mousse, alias Willy, c'est dit. Mr. K, chant. Nini, sax ténor. Nicolas, la trompette. Lidwin à la basse. Donc alors, Job, encore une fois, ouverture de la conférence de presse rencontrée Racine. Vous allez jouer dans pas longtemps, là. Quelles impressions vous avez par rapport au festival? Ah, voilà. C'est un honneur. Hein. On est déjà très honorés, c'est bien cool d'avoir pensé à nous. Voilà. On espère donner beaucoup de plaisir en fait à tous les organisateurs, à tous ceux qui sont là, s'ils ne seraient pas là, nous ne serions pas là. Donc on les remercie infiniment déjà de ce plaisir qu'ils nous donnent à pouvoir honorer la première scène. Voilà, l'ouverture du festival. Espérons sur des personnages. Rock, pop, jazz, funk, 80, 70, ça dépend des niveaux. Parce que j'ai influence à nous. J'ai remarqué que vous aviez un chanteur de thaïtien, vert et blanc. Il est tout bavard. Je suis pas thaïtien, je suis cubain. C'est bien. Cubano. J'ai oublié mes cigares. Souvent, ouais, qu'on parle. Chanteur de contrebande. Ça joue pas sur du thon, surtout sur du dauphin, ou sur du caca. Il va pas pouvoir ça, un grand requin blanc, ça veut dire, voilà. Je pense que c'est Valette qui pourra s'exprimer à ce sujet-là. Justement, moi par rapport aux chances que j'aime dans le funk, il y a une musique nouvelle pour moi. C'est le fait qu'elle est très riche, très variée, technique, et en même temps, très émotionnel. On travaille beaucoup avec l'émotion et c'est un vrai plaisir de travailler justement dans le job par rapport à ça, parce qu'il y a aussi un rendu au niveau du public et quand justement ça prend avec le public et qu'on réussit à avoir ce retour aussi de leur propre émotion, eh ben on se dit on a gagné. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Pas de machine, mec. Vive les Blue Jobs. On y arrivera.